Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Xbox. Mon nom est Tony et je suis votre hôte pour cette émission. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle interface Xbox qui va arriver cet automne et qui sera disponible sur votre console tout prochainement. Dans cette nouvelle interface, la grande nouveauté sera la possibilité de piloter l'interface, ce qu'on appelle le dashboard, avec la voix. Donc vous pourrez tout contrôler en simplement prononçant les mots Xbox suivi de ce que vous voyez à l'écran, une des catégories ou même pour lancer un jeu. Et d'autres nouveautés qui viendront dans cette nouvelle interface seront des nouvelles applications comme Internet Explorer. Internet Explorer, le navigateur Internet, vous aurez maintenant un nouveau service Xbox Vidéo qui vous permettra de télécharger soit en streaming, soit alors d'acheter des films sur votre Xbox. Time to go. Okay. Mais également Xbox Music, un nouveau service qui vous permettra d'écouter de la musique ou télécharger de la musique sur votre console. Xbox, My Playlists, Chill Out Playlists. Play. Une des plus grosses nouveautés qu'on va amener avec cette nouvelle interface Xbox, c'est un élément qu'on appelle Smart Glass. Smart Glass vous permet de contrôler la Xbox depuis des périphériques que vous avez chez vous. Ça peut être un téléphone mobile, que ce soit un téléphone mobile Windows, Phone ou alors un téléphone iOS ou Android, mais également une tablette, comme par exemple une tablette ici qui tourne sous Windows 8. Donc avec Windows 8, je vais pouvoir piloter l'interface Xbox. Donc je vais pouvoir par exemple lancer un jeu. Si je vais ici par exemple sur mon jeu, je vais pouvoir dire lancer le jeu sur la Xbox et piloter mon interface Xbox depuis cette interface-là. Je peux également avoir des informations additionnelles qui viennent de la console, donc avoir un descriptif du jeu ou alors même des informations sur le film que je regarde dans la Xbox. Donc comme je vous le disais, Smart Glass vient également sur les téléphones portables, donc vous allez pouvoir naviguer à travers les jeux qui sont sur votre console, pouvoir en acheter des nouveaux, louer des films et également piloter l'interface depuis là. Donc vous avez vraiment un pad qui sera disponible sur le téléphone qui vous permet de contrôler, de naviguer sur l'interface. Donc vous avez vraiment le choix entre la manette, la voix, Kinect et votre appareil mobile ou votre PC. L'avantage de Smart Glass pour Internet Explorer, c'est bien sûr de pouvoir piloter l'interface avec votre appareil, mais également de pouvoir rentrer du texte directement depuis l'interface, donc pouvoir taper l'adresse d'un site web que vous voulez visiter et ça apparaîtra directement sur votre console. Alors pour résumer, cette nouvelle interface vient avec énormément de nouveautés. Je vous ai parlé de Internet Explorer, Xbox Vidéo, Xbox Music, dans lequel vous allez pouvoir écouter jusqu'à 30 millions de chansons, la nouvelle interface pilotable par la voix, et également Smart Glass qui va vous permettre de contrôler votre interface directement depuis votre téléphone portable ou depuis votre PC. Voilà, donc l'interface sera disponible tout prochainement. N'hésitez pas à appliquer la mise à jour lorsqu'elle arrivera. Et on vous propose de gagner l'un des 5 abonnements Gold 12 mois qu'on a vous proposé. Il suffit de nous écrire à l'adresse qui apparaît en bas de votre écran. Je vous dis au revoir et à la prochaine fois. Tell me now, is you down with it? It's your choice, maybe not, are you down with it?